C'est au 2e régiment étranger de génie à Saint-Christol-d'Albion, dans le Vaucluse, que les honneurs militaires funèbres sont rendus au major Mohamed El Gharafi et au sergent-chef Damien Zingarelli, tombés en Afghanistan. La cérémonie est présidée par M. Gérard Longuet, ministre de la Défense et aux anciens combattants, en présence du général d'armée Bertrand Rakhmadou, chef d'état-major de l'armée de terre. Le 29 décembre 2011, en début de matinée, alors que la Task Force Lafayette et la 3e brigade afghane sont engagées en vallée de Tagab, ils sont tous deux mortellement touchés. Je voudrais à cet instant rendre hommage au sérieux, au professionnalisme, au sang-froid des camarades du major El Gharafi et du sergent-chef Zingarelli, qui ont su transformer ce qui était un odieux assassinat en une leçon de maîtrise. Ils ont su rétablir la confiance avec ceux qui sont leurs compagnons et qui n'ont pas trahi la confiance que nous placions en eux. Le major Mohamed El Gharafi et le sergent-chef Damien Zingarelli ont été décorés de la Légion d'honneur. Âgé de 39 ans, marié et père de 4 enfants, le major Mohamed El Gharafi aura servi la France durant 19 années. Âgé de 27 ans, le sergent-chef Damien Zingarelli avait rejoint les rangs de la Légion étrangère il y a près de 7 ans. Le major Mohamed El Gharafi et le sergent-chef Damien Zingarelli ont été tués dans l'accomplissement de leur mission au service de la France.